Mon client est là physiquement, corporellement ça va pas. Il a toujours des douleurs, il a eu des vomissements, des malaises, etc. Il n'est pas en état physique de pouvoir être dans la salle et pouvoir participer au débat comme on attend de lui qu'il participe. Il a été hospitalisé, je n'ai pas encore le bulletin médical qui puisse poser un diagnostic. Moi, ce que je sais, c'est que je vois un homme ce matin qui est diminué, qui n'est pas aussi dans le même état qu'il était quand on a démarré le 2 septembre. Donc on a besoin quand même de faire toute la lumière sur cet état de santé. Son état d'esprit a toujours été le même. Il est dans le regret, il est dans la demande de pardon. Est-ce qu'il sera reçu ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans cette logique-là de défense en disant simplement « J'ai fait, j'assume, je serai condamné. » Il n'est pas du tout dans une logique de minimiser sa responsabilité. Il n'est pas dans la logique de vouloir se faire pardonner par sa famille, même s'il demandera et il proposera ses excuses à sa famille. Mais il est dans une logique de dire « J'ai fait quelque chose de mal et je vais l'assumer. »